63, West Dance Story. Je veux vous entendre plus, le public. Catégorie académique de Mojo dans le 34, Alpache Mountain. Alpache Mountain. De Chaumont dans le 51, Génération King. Qualifié à Courpierre dans le 63 du Funky Cowboy. Qualifié à Nogent-sur-Oise, le club d'Île-de-France. Jenny's Country Dancers. Jenny's Country Dancers. Qualifié à Nogent-sur-Oise également la deuxième équipe en académie du quart d'heure américain. Avec Marie, leur animatrice, en premier. Après la catégorie tremplin, Nogent-sur-Oise, les Chicky Girls and Boys en académique. On va rester sur Mojo. Dans le 34 Mojo, ils ont été qualifiés Crazy Dance. Qualifiés toujours à Mojo, les Country Friends. Toujours à Mojo qui nous a apporté beaucoup d'équipes dynamiques Line Dance. Avec des superbes t-shirts US, The Stars and Stripes, et des belles chemises à carreaux. Ah, on en a tous entendu parler, on les adore. Enfin, moi j'adore la série télé Beep Beep Dancers de Mojo dans le 34. Beep Beep. Beep Beep. Beep Beep. Qualifié à Courpierre dans 63, les Funky Cowboys en version show. Non, ils sont déjà passés, pardon. Les Bunkaroo Dancers de Mojo, excusez-moi. Version show, Bunkaroo Dancers, qualifié à Mojo. Et ils vont tous refaire un passage devant vous. Je vous demande de les accueillir, de les acclamer, de les applaudir. On y va, refaites-moi un petit tour s'il vous plaît. C'est leur place. On va juste les rappeler. Jerry Skid, Carter américain, West Dance Story, Alpache Mountain, Génération King, Funky Cowboys, Jenny's Country Dancers, Carter américain, Chicky Girls and Boys, Crazy Dance, Country Friends, Dynamic Line Dance, Beep Beep Dancers et Bucaroo Dancers. Plus fort, donnez-leur de l'énergie un petit peu. Ce qu'on appelle un embouteillage. Sur un fond musical absolument phénoménal, des véritables awards. Ah, il y a Bouchon.
falloir vous serrer un petit peu maintenant. Présenter le jury pour cette édition 2015. Marie-Laure, présidente du jury. Alors, ils m'ont changé l'ordre. Guéric Auville. Annie Briand. Amandine Marchand. Martine Cannon. Elle a l'air de stresser, je sais pas pourquoi. Laura Bartholomé. Joël Bouzaïd. Et le seul homme, Jérôme Mathias. Ah, le deuxième homme. Il y en avait un autre, hein. Moi je dis ça, je dis rien. On était parti sur autre chose avec mon compère, je suis désolé. Vous voyez, moi, je vais mettre ça sur le compte du décalage horaire. Sur le jet lag, voilà. C'est mes 6 heures de décalage. Ah, le jury va bien? Le jury est prêt à s'installer? Vous avez vu les équipes? On est dans les temps, je cause encore. Non, je rigole. Le jury, les danseurs, vous êtes prêts? Vous avez vu le jury? Mais, ladies and gentlemen, let's open the Wankot National 2015. Monsieur le jury, installez-vous. Attends, je traduis. Alors, il vient de dire, répète. Let's open the rencontre nationale, mais c'est pas moi qui vais l'ouvrir. En fait, il vient de dire bonjour. Voilà. Non, mais j'ai un degré de langue très élevé. Et afin d'ouvrir officiellement les rencontres nationales, bien entendu, j'accueille avec un immense honneur et un immense privilège M. Gérard Simon, c'est le président de la FFCC. Bonjour. Merci, Joël.
Merci Jonathan. Et oui, on va faire cette sixième édition et cette sixième finale des Masters Country Team. Et là, comme je disais à monsieur le maire, l'année prochaine, ou dans 3-4 ans, il va falloir qu'il m'agrandisse le Pepsi parce que là, ça va être un peu compliqué. D'accord ? Bien, alors, on ouvre officiellement cette finale, mais comme vous le savez, pour ceux qui viennent depuis 3-4 ans, on a un temps fort. Maintenant, on a décidé au niveau de la FFCLD de l'instituer. C'est-à-dire que depuis un an, on a des amis proches qui nous ont quittés, malheureusement, par la maladie, par l'accident. Et depuis 4 ans, c'était au moment du départ du décès de Robert Van Street. On s'est mis à faire la minute de silence, mais la minute de silence à la country, à la fédération, elle est particulière, c'est que tout le monde se lève. Et je voudrais, sur cette année, depuis mars 2014, on a eu quelques personnes qui nous ont quittés, malheureusement. Deux personnes à qui la fédération a été très touchée, mais il ne faut pas oublier les autres noms qu'on ne connaît pas, mais qui auraient peut-être pu venir aujourd'hui, mais qui ne seront pas là. Mais les deux personnes que j'ai demandé à me rejoindre rapidement sur la piste sont là pour témoigner de la disparition de leurs proches, mais aussi peut-être témoigner la disparition de tous nos proches. Je voulais demander à Géraldine et le coordinateur de région qui l'accompagne. Géraldine a perdu sa maman au mois de mai dernier, Katia Beluche, qui était en formation à la FFCLD et qui n'a pas pu finir sa formation du fait de la maladie. Deuxième témoin de nos disparus, je voulais m'appeler Gaëtan. On ne va pas raconter encore toutes les histoires de ce qui est arrivé à Virgile. Je crois que toute la France a été émue au-delà de la danse country. Je crois que le seul témoignage qu'on va faire pour cette année de disparu, pour Katia, pour Gaëtan, et en relation avec la tradition de la FFCLD, on va faire cette minute de silence pour montrer notre symbole de la grande famille country, c'est-à-dire que je demande à ce que tout le monde se donne la main, et je pense qu'une musique va être... Ah ben, Rose, je te remercie. Je t'avais pas vu, excuse-moi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see. Merci Rose, je vous remercie tous. Et maintenant, je dirais le spectacle continue. Show must go home. Alors maintenant, c'est l'ouverture. À vous les teams, donnez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez. Mais sachez que pour moi, le grand vainqueur de ce aujourd'hui, ça va être aussi la danse. Et donnez tout pour la danse country. Merci, à vous. Merci Gérard, merci Rose. Merci à tous.
Merci au public. Ladies and gentlemen, pendant qu'ils quittent le parquet, vous pouvez encore les applaudir une petite fois. Les encourager encore une fois parce qu'ils n'ont pas... Ils sont encore sous le stress. Yeah, that's all.